répond pas, ça. L2 ou ma gueule. Il m'envoie des colis comme ça, normal. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh my god! Et voilà, j'espère que cette petite intro vous aura plu. Ouais, c'est pas dans mon habitude d'en faire, mais là je me disais, allez, tant qu'à faire. Et on va carrément se faire un... comment on appelle ça? Un ouvre-boîte. Par contre, ma caméra a du mal à fixer l'objectif. Là, je vois qu'il y a... Allez, putain. Elle veut pas faire la netteté. Tant pis. Hein. Donc voilà, en grosso modo, l'édition limitée, c'est celle-ci. Donc, comme d'hab, comme sur PS3, il y a toujours l'emballage de merde. Donc, quand on lâche le bas, ça se casse. Je trouve ça complètement débile. J'aurais dû faire un petit truc en plastique en dessous pour le retenir, tout simplement. Donc, je vais prendre l'appareil et je vais vous filmer la boîte plus en détail. Vous la voyez bien. Voilà. On voit pas très bien, quand même. Bref, saisie order, 1886. On va la retourner un petit peu pour voir ce qui se passe derrière. Donc, pas grand chose. À peu près la même chose que sur chaque boîte. Voilà, description du jeu. La boîte, par ici, est en métal. Ouais, elle est en métal. Et à l'intérieur, comme d'habitude, hein, c'est à peu près pareil qu'une boîte classique. Sauf que j'ai un petit DLC avec, enfin un petit pack. Donc voilà, hein, le CD, lui, je pense pas qu'il soit différent du CD normal. Il a l'air totalement normal, hein, ça change pas du CD traditionnel, je pense. Et puis voilà, donc maintenant on va passer au test direct sur Play 4. A tout de suite. Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour le test donc de The Order, après cette magnifique intro bien pourrie. D'ailleurs avec le unboxing dont l'ouvre-boîte, lol. Bon, allez, on lance le jeu et on va voir ce qu'il donne. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, mais je sais que j'ai eu un problème lors du paiement, du coup je vous fais le let's play un peu après sa sortie. Et je n'espère qu'une chose, c'est qu'il soit mais magnifique. Parce que c'est ce dont ils avaient parlé, hein, je crois que c'était à la Games Week. Ils avaient dit, waouh, ce jeu, c'est une tuerie. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc on va voir d'abord les paramètres. Alors le jeu, difficulté, on va mettre en facile pour commencer. De la visée, oui. Sous-titres, oui pour vous. Donc ensuite les commandes, visée sur l'axe Y, ça j'apprendrai sur le tas. L'affichage, gamma, là on a plus mieux. Alors, est-ce que vous voulez que ça soit sombre ou est-ce que vous voulez que ça soit bien éclairé? On va faire un peu moite-moite, on va faire un peu plus éclairé, parce que moi je préfère quand c'est plus éclairé, on voit mieux les détails. Alors là, on est en normal. Alors, on va juste mettre une barre en plus pour pas non plus gâcher la qualité du jeu. L'audio. Sortie audio stéréo, parleur... non, haut-parleur. Volume principal, on va baisser un tout petit peu. Volume des voix, on le laisse à fond parce que sinon on les entendra pas. Volume des effets spéciaux, ouais, allez, ça peut y aller. Volume de la musique, ouais, au pire on va mettre tout à fond comme ça au moins. Ah si, de quoi qu'on entende ma voix, le volume principal on va le baisser. Voilà, donc ça c'est paramétré. Les extras en général, c'est tout ce qui est appuyé sur croix. Donc nouvelle partie, allez c'est parti. Hop,
sortir pour voir. Là, il est encore marié. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je m'en fous. Moi, je pose des questions, Dieu. Bon. De beau l'ami. C'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en remet une couche. C'était que l'échauffement. T'inquiète pas. C'est pas fini. On recommencera plus tard, d'accord? Allez, par ici. Lève-toi. Monte là-haut. Lève-toi. C'est l'heure de votre bain, Milord. À ce rythme, je doute qu'il tienne le coup très longtemps. Quelques marches. Là, c'est pas compliqué. C'est reparti. T'es prêt? Putain, vois ton jeu. Putain, rien à dire. C'est magnifique. Alors là, il n'y a pas à péter.
Le jeu est franchement super bien fait. Bon, le sang ressemble un peu à de la peinture, sinon à part ça... c'est franchement plutôt pas mal, je trouve. Ah ouais... Ils ont... Putain, ils ont super bien géré les... tout ce qui est graphisme, là, je trouve. Comparé aux anciens jeux, là, il y a une nette avancée, ça se voit. Bon allez, c'est parti. Tends L vers l'avant, appuyez sur L3 pour avancer plus vite. Ok. Oh, vache. Ça fait jamais du bien d'avoir des côtes brisées. Ah, ça commence à être intéressant. Pouah, mais c'est trop bien fait. J'adore. Non, pour viser c'est ça. Les autres touches, on peut pas encore les utiliser. Ah non, on peut rien faire d'autre là. Ça, on peut pas toucher. Je passerai à la vitesse supérieure quand même. C'est pas pour dire, mais t'as quand même du monde derrière ton cul. Vous avez vu ce que c'était derrière la grille, s'il vous plaît? Ça commence à être intéressant. Allez, va plus vite. Si on discutait un peu plus tôt. C'est bien toi, hein? Le détenu dont tout le monde parle.
Il n'y a qu'un seul moyen de sortir. T'es un mort en sursis. Tu devrais pas quitter les catacombes. La ferme. Très bien. Bon, c'est des funérailles, pas les miennes. Bouge. Attention. Il est armé! Il est armé! J'avais l'ordre d'ouvrir le feu! Oh, les carabots! Quoi? C'est atroce. Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Est une cinématique en fait. C'est magnifique. Non, en évidence. Fini de jouer, Galahad. Rendez-vous et vite. Les mains en l'air, vite. Les mains en l'air. Plus un geste. Ouais. Ne fais pas ça. Rendez-vous, vous dis-je. Vous avez osé trahir notre ordre. Nul n'échappe au châtiment. Vous oubliez, grand chancelier. Je suis déjà un homme mort. Galahad ! Je veux connaître la suite. Sincèrement, il est trop bien fait. Bon, maintenant que vous savez ce qu'il en est de ce jeu, et bien tout simplement, on va s'arrêter sur ça. Et si ça vous intéresse de connaître la suite, dites-le moi dans les commentaires, et il sera possible de faire quelques let's play sur ce jeu, voire même, si le jeu est pas trop long, et si j'ai le temps et que ça vous plaît vraiment, on fera le jeu en entier. Car sincèrement, le jeu là, il a l'air d'avoir une tournure plutôt cinématographique plutôt que jeu vidéo, parce qu'au final on est à peu près tout le temps en cinématique, et on contrôle le personnage dans la cinématique. On voit bien que le réalisme est flagrant, quoi, que le jeu est vraiment bien fait. Moi j'aime bien ce genre de jeu, je trouve que ça change des autres. En plus on joue à la troisième personne, c'est plutôt sympa. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse la suite. Moi je pense la faire parce que sincèrement elle est plutôt pas mal. Donc je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.